il y a tellement de maquillage, je ne sais même pas par où commencer. Hé, hey, qu'est-ce que tu regardes? Il sort d'où ce maquillage? Je l'ai acheté, mais je ne sais pas comment faire. Tu peux m'aider? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! Avec plaisir, je vais t'aider, suis-moi. Oh, c'est joli comme endroit! J'adore! Waouh! Tu aimes bien? Allez, inspire! Et prépare-toi, on y va! J'ai fini! Vas-y, regarde! Ah, oh là là! Non, 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 non! Impossible! Il y en a beaucoup trop! Ça ne me ressemble pas du tout! Désolée, mais ça ne me plaît pas! Quoi? Mais pourquoi? Tu es magnifique! Peut-être, mais je préfère quelque chose de plus naturel! Pas ça! Ah, bon, ne t'énerve pas! Je vais faire autre chose! On va essayer ça plutôt! D'accord, je te fais confiance! Oh! Oh! Mais oui! C'est exactement ce que je voulais! On ne voit même pas que je suis maquillée! C'est joli! Merci! Ah, tant mieux! Je suis contente que ça te plaise! Pfiou! Et tu veux qu'on prenne des photos? Tu pourras les mettre sur Insta! Souris! Meilleurs amis pour la vie! Voilà! Je vais te les envoyer, mais d'abord je vais publier celle-là! Qu'est-ce qu'elle fait sur son téléphone? Oh! Je ne vois rien sans mes lunettes! Voilà! Regarde-moi ça! Oh! Qu'est-ce que tu fais? Oh, waouh! C'est incroyable! Bravo! Mais tu viens de te frotter les yeux et de faire couler tout ton maquillage! Au moins, on a les photos! Waouh! Regarde! Elles sont trop belles! Elle s'est transformée ou quoi? Sa robe et son maquillage sont super stylés! Mais non! En plus, elle porte des talons hauts! Comment elle fait pour marcher? Qu'est-ce que... Waouh! Regarde là! Je n'arrive pas à la quitter des... Aïe! Hein? C'est quoi ce bruit? Oula! Bien joué, t'es la meilleure! Qu'est-ce que... Salut! Oh, ses cheveux sont tout ébouriffés! Je me sens mal pour elle! Je parie que tout le monde va se moquer d'elle! Oh! Oula, ça va être dur pour elle! Arrête! Tu sais quoi? Je vais t'aider! Je vais faire une intervention sur tes cheveux. Commençons par retirer ce vieil élastique. D'accord, mais mes cheveux sont encore en bataille. J'y travaille. Tu as besoin de plus de couleurs. Tout d'abord, prenons quelques feutres. Je coupe le bout et je retire la cartouche d'encre. C'est une paille fourrée de coton imbibé. Ça veut dire que je peux souffler dedans. Je mets juste le bout dans ma bouche et... Voilà, toute l'encre sort. Maintenant que j'ai la couleur, j'ai besoin de crème. Il m'en faut juste une cuillère et je la mélange à la couleur. Ok, nous voilà prêtes pour la prochaine étape. J'ai mis un gant en plastique. Je peux donc prendre de la crème dans ma main. Afin de l'étaler sur une mèche de cheveux. Il ne me reste qu'à l'envelopper de papier d'aluminium. Voilà, recommençons avec le violet. Tu es sûre que c'est une bonne idée? Oui, tu verras quand tout sera fini. J'enveloppe cette mèche aussi. Il ne reste plus qu'à attendre. Allez, il est temps de vérifier tes cheveux. Il n'y a qu'à retirer le papier d'aluminium et voilà. Oh, j'ai trop peur du résultat. Oh, attends, ce sont mes cheveux? Ils sont verts et violets. Waouh, c'est tellement beau, j'adore. Il manque encore une chose pour parfaire ton look. Retire tes lunettes. Tu arrives à voir sans elles, non? Et tu sais quoi? Retire aussi ce gilet. On va le laisser ici. Ça ira. Et il faut absolument que tu défasses ce bouton. Je me sens vraiment plus jolie. Viens, on va en cours. Allez, il est temps de montrer ton nouveau look. Waouh, t'as vu les mèches incroyables qu'elle s'est faites? Oh mon Dieu, plus personne ne rit. Merci beaucoup. C'est le jour de la lessive. Heureusement que je n'ai pas trop de linge à laver. Oh, mon jean préféré. Je l'adore vraiment. Et voilà, juste une petite machine. C'est parti, ça devrait aller vite. Je vais quand même vérifier l'heure. Je vais m'asseoir et attendre ici. Waouh, on en apprend tous les jours. Oui, j'attends que mon linge se lave.
Oh, c'est fini! Je te rappelle. Ok, voici ma jupe. Quoi? Mais pourquoi est-elle aussi petite? Non, 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 c'est pas possible. Pas mon jean préféré! Ouf, il a l'air normal. Je vais quand même l'essayer pour être sûre. Allez, rentre! Je dois tirer plus fort! Oh, c'est inutile! Il a dû rétrécir lui aussi! Mon jean est fichu! Je suis dégoûtée! Ma journée est fichue! J'ai l'impression d'avoir été trahie par cette machine à laver! Hé, j'ai une idée! Peut-être que si je l'enfile à l'envers, je peux remonter les jambes. Et... je tire dessus! Ouais, ça a marché! Je suis rentrée dedans! Bye bye la jupe, je n'ai plus besoin de toi! Ouais, mon jean préféré me va encore! Et il est encore plus près du corps! Je vais finalement passer une bonne journée! Oh, elle est vraiment canon! Je vais m'entraîner un peu! Je vais commencer par m'étirer un peu! Voici les poids. Il faut juste choisir le bon. Oh, pourquoi je ne peux pas lever ce kettlebell? Voilà! Waouh! Fais attention avec tes poids, s'il te plaît. Ok, peut-être que ceux-ci seront meilleurs. Ou alors ceux-là? Ouais, c'est de ça que je parle. Eh oui, j'ai des gros biceps. C'est bien, le relou. Quoi? Comment fait-elle pour soulever ça? C'est Wonder Woman ou quoi? Salut loser! Je te laisse jouer avec tes petits pois. Aïe! Wonder Woman ne serait pas si méchante. Et puis après tout, qui a besoin de ça? Je vais juste découper un disque dans ce morceau de polystyrène. Ensuite, je prends un morceau de papier de verre et je ponce les bords avec. Oh, regardez ça! Les bords sont bien lisses et arrondis. Parfait! Passons maintenant à l'étape suivante qui nécessite un cutter. Faisons quelques coupes supplémentaires, un petit cercle en plein milieu, comme ça. Et maintenant, un peu de peinture métallisée. J'en pulvérise partout pour que ça ressemble à du métal. Je dois en faire plusieurs et de différentes tailles. Ok, maintenant j'ai besoin d'un hexagone en polystyrène peint. Il ira en plein milieu. Et il me manque juste une poignée en mousse que je peins en noir. Elle doit rentrer dans le trou que j'ai découpé. Et voilà, j'ai des haltères vraiment impressionnants. Et bien sûr, ils ne pèsent rien du tout. Ok, maintenant je n'ai plus qu'à attendre. Oh, elle est là! Salut! 57, 58, 59... Oh mon Dieu! Tes poids ont l'air super lourds! Tu es drôlement fort! Ah ouais, tu trouves? C'est trois fois rien! Hé, ça te dit de sortir avec moi? Mais qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas de vrais haltères! Ils sont en polystyrène! Faut vraiment être tordu pour faire ça! Salut Matt, tu as un nouveau bracelet? Il te va très bien. Je vois que tu t'entraînes dur. Je vais juste faire quelques photos. Qu'est-ce que Kate est en train de faire? Mais elle prend des photos de Matt? Oh, elle se croit sans doute discrète. Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu faisais? Oh non! Elle va lui montrer! Matt, regarde ce que Kate faisait avec son téléphone! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un selfie? Ouf! Sauvée par un selfie accidentel! Jennifer, je ne vois pas où est le problème. Tu peux peut-être lui rendre son téléphone maintenant? Oh, ça va! Voici ton téléphone, Kate. Jennifer est si mauvaise avec moi. Mais pour une fois, elle avait raison. Parce que ça sera mon petit secret. J'aurais vraiment juré qu'elle prenait des photos de toi en cachette. Jen, arrête!
Je vais aller lui parler. Salut Kate, désolée que Jen ait pris ton téléphone. Elle pensait que tu étais... Mais tu me prenais vraiment en photo? J'avoue, c'est vrai, je suis vraiment désolée. C'est pas grave, en fait laisse-moi te montrer quelque chose. Voici le fond d'écran de mon téléphone. Mais c'est moi sur ton téléphone? Oh mon Dieu, il fait chaud tout d'un coup. Oh, la cloche sonne! Le cours est terminé! Je peux t'accompagner au prochain cours? Oui, ça serait formidable! Mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est pas juste! Je déteste cette journée! Oh, cette fête a l'air excellente! Allez, c'est mon jour de chance! Respirons profondément! Salut, Saboum! Vous écoutez quoi comme podcast en ce moment? Hé, hey, tu as vu ça là-bas? C'est trop cool! Quoi? Quoi? Où est-elle passée? Oh, elle m'a laissé tomber. C'est pas grave, réessayons. Salut! Il est bon ce punch, hein? Excuse-moi, je dois aller quelque part. Salut, super soirée, non? Oh, désolée, je dois répondre à mon téléphone. Je parie que ce n'était pas un vrai appel. Mais qu'est-ce que je fais de travers? Aïe! Où est-ce qu'ils vont tous? Ils se précipitent sur ce mec? Ça n'a aucun sens! Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? À part ses cheveux. Et peut-être ses vêtements. Et les tatouages? Comment puis-je rivaliser avec ça? Mais regardez comme il a l'air populaire. Hein? Qu'est-ce que c'est? Un magazine de rock? Hé, des tatouages temporaires? Pas moyen. Oh, waouh, ils sont mortels. Il est temps de retourner la situation. Ok, je suis prête pour mes tatouages. Il suffit de remonter mes manches et de positionner le tatouage. Maintenant, il faut bien le mouiller. Il semble bien collé. Retirons le papier et voyons si ça a marché. Waouh, ça a marché! Ça a l'air trop réel! Allez, il est temps de retourner à la fête avec mon nouveau look! C'est bon! Nouvelle coupe, nouvelle garde-robe et nouveau tatouage! Des tas de tatouages! Et je les ai tous mis! Salut les copains! Je veux dire, hé, quoi de neuf? Oh, regarde le mec! Poussez-vous, je suis Prince! Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Tes tatouages sont trop cool! Bon, au moins il y a du pop-corn. Hé, hey, faisons un selfie! Souris! Tout ce travail m'a donné soif. Ça devrait m'aider. Oh, pourquoi je ne peux pas ouvrir cette bouteille? Comment vais-je faire pour étancher ma soif maintenant? Jennifer? Oh, qu'est-ce que tu veux? Je n'arrive pas à l'ouvrir. Tu peux m'aider? Bah, éloigne ça de moi. Oh, pardon. Donne, Kate. Je vais te l'ouvrir. Vraiment? Oh mon Dieu, merci! Voilà. Merci beaucoup, Matt. Merci beaucoup, Matt. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Je ne peux pas croire qu'il ait aidé comme ça. Regardez-la en train de boire. Hé, une seconde. Ça me donne une idée. C'était bon. Je vais aller jeter cette bouteille. C'est le moment. Je dois juste me tenir prête avec mon téléphone. Excellent. C'est exactement ce que je voulais. Et voilà. Oh oui, ça va être génial! Juste une petite retouche. Oh oui, c'est top! C'est fait! Il ne me reste plus qu'à l'envoyer à tout le monde! Ça devrait aller vite! Oh, un message!
Oh, pauvre Kate. Hé, c'est quoi? Oh, c'est Kate, elle est juste là. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde se moque de moi? Tu ferais mieux de regarder ton téléphone, Kate. Qu'est-ce qu'il y a sur mon téléphone? Une vidéo? Hé, c'est moi? Quoi? Mais je n'ai jamais sorti ça de la poubelle. Je l'ai mise à la poubelle. Cette vidéo a été inversée. Tout le monde croit que je fouille dans les poubelles maintenant. Ouais, t'as raison. C'est vraiment très drôle. On dirait que c'est la bonne adresse. Oh, ce doit être mon colis. Une livraison pour vous. Ouais, j'adore recevoir des colis. Celui-là vient d'Australie. Ouvrons cette boîte. Allez, je dois retirer ce scotch. Oh, ça ne sert à rien. Mais oui, utilisons des ciseaux. C'est plus efficace pour couper le scotch. Je coupe bien toute la longueur. Et voilà, je peux ouvrir le carton. Oh non! J'ai découpé ma veste. Elle est fichue. C'est une catastrophe. Je peux peut-être faire quelque chose. Allez, je vais l'enfiler et voir ce que je peux faire. Je vais reprendre les ciseaux. Je vais continuer de couper là où c'est déjà déchiré. Voilà, et je fais tout le tour. Je peux maintenant utiliser le bas pour faire une jupe. Les boutons m'aideront à la faire tenir. Et voilà, ça me fait un joli petit ensemble. Waouh, ce look est incroyable! Je dois faire une photo. Ces selfies vont m'attirer des likes. Et voilà, je vais publier celle-là. Oh, j'espère qu'ils vont aimer. Ça y est, ils me trouvent trop cool! Oui! Je n'ai pas du tout marché avec des talons! Il faut que tu mettes ton poids sur tes orteils, pas sur les talons! Oh, bon, attends. Regarde. Dos droit, menton levé. Voilà. Essaye de marcher comme ça. Pas mal. Tu commences à prendre le pli. Ou pas. Elle n'y arrivera peut-être jamais. Elle a un sac à dos rempli de livres. Ça peut être ça la solution. Oui, mets ces livres sur ta tête. Ça te forcera à garder une bonne posture. Tu vois? Regarde-moi et fais pareil. Oh, oui, je comprends. C'est ça, bravo. Et attends un instant, où sont passés les talons? Elle est pieds nus. Ça ne sert plus à rien de s'entraîner, là. Oh, d'accord. Voilà, je les ai remis. Oh non, mes livres et mes lunettes. Aïe. Il fait super chaud aujourd'hui. Et on n'est pas rendu. Je n'aimerais pas être à la place de ces livres. Allez, allez. Hé, je crois que j'y arrive. Regarde. Oui, tu as réussi. J'étais sûre que tu allais y arriver. Hein? Waouh, elle est super forte. Salut. Ouh, ça doit faire mal. Aïe. Ah, mes biceps commencent à prendre forme. J'adore. Ce burger ne me rend pas heureuse. Et il ne va pas me donner une belle silhouette non plus. Hé, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je m'entraîne, moi. Tu crois que tu pourrais m'aider? Je veux ressembler à ça. Je veux vraiment avoir des bras toniques comme ça. Ils ont l'air si forts. Je ne sais pas. Bon, je pense que je peux t'aider. Laisse-moi te regarder. Tu es prête à transpirer? C'est parti. Tu veux ce burger? Il va falloir que tu viennes le chercher. Maintenant, prenons de la pizza. Allez, il faut travailler dur pour y arriver. Essaye de l'attraper. Pfiou, c'était un entraînement tellement dur. Je suis épuisée. Est-ce qu'elle est dans le coin? Est-ce qu'elle regarde? Je vais manger quelques bonbons. Je les ai mérités. Une seconde, j'ai une bien meilleure idée. J'ai ce bandeau et tous ces bonbons et je peux faire en sorte que ça marche. Oui, regardez ça. Sans oublier les poignets, bien sûr. Un bandeau en bonbons? Je suis un génie. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi des lacets en bonbons. Ouais, c'est génial. Maintenant, je suis prête à me remettre au travail. On va utiliser ça pour le prochain exercice. Oh non, ce n'est plus la peine maintenant. Vraiment? Waouh, je suis impressionnée, je dois dire.
Elle est partie. Il est temps de se faire plaisir. Ne le dites surtout à personne. Pour ce livre et ce burger aussi. Hé, pousse-toi. Tu veux faire du sport avec moi? C'est parti. Du sport? Non merci, très peu pour moi. Tu n'avais pas dit que tu voulais perdre du poids? J'ai peut-être dit ça... Et que tu voulais impressionner ce mec mignon? Bon, d'accord, j'ai dit ça. Je viens avec toi. Parfait, suis-moi, on va te remettre en forme. Tchou, je suis déjà épuisée rien qu'en te regardant. N'oublie pas de faire travailler tes bras aussi, pas que tes jambes. Allez, on va aller par là. C'est joli là-bas. Si tu le dis. Hé, mais y a un peu du tien. Allez, rattrape-moi. Un pied après l'autre, et petit à petit, on y arrive. Oh mon Dieu! Je suis en train de mourir. Tu n'es pas en train de mourir, tout va bien. Garde rythme. Imagine-toi en train d'embrasser ces jolies lèvres. C'est bien, encore deux. Tu t'en sors à merveille. Plus qu'un. Allez, tu n'as pas mal. Oh là là, je suis KO. Je crois que mes jambes sont cassées. Dieu merci, je suis de retour chez moi. Hé, mon burger est toujours là. Je meurs de faim. Oui, à moi, délice des dieux. Un instant, je ferais mieux de le manger en cachette pour éviter les ennuis. Je suis plus en sécurité ici, à table. Hein? Elle est passée où? Je croyais qu'elle était rentrée. Elle n'est pas là non plus. Où est-ce qu'elle a bien pu passer? Attends, je crois que j'entends quelqu'un manger. Hé, je t'ai trouvé, cachée sous la table, comme si je n'allais pas regarder. Donne-moi ça. Allez, tu as vu tout ce que tu as accompli aujourd'hui? Ne gâche pas tout. Tiens, si tu as faim, tu peux manger ces pommes. On va faire des smoothies. C'est marrant à faire et c'est délicieux. Tiens, bois ça, c'est bon pour la santé. Ah bon? Mais ce n'est pas bon du tout. Ouais, c'est vrai. C'est horrible. Pardon. Ok, je suis changée. Je vais juste mettre mes chaussures ici. J'adore ce sweat à capuche. Oh, salut Jennifer! Salut, machin. Mais qu'est-ce que c'est? J'y crois pas. Elle a les mêmes chaussures que moi. J'étais la seule à les avoir. Il doit forcément y avoir quelque chose que je puisse faire. Oh, je sais. Approchons discrètement. J'ai les chaussures. Maintenant, je dois les cacher. Là-haut. Prends ça, sale imitatrice. Hé, où sont mes baskets? Elles étaient juste là. Jennifer, qu'as-tu fait de mes chaussures? Elle est toujours si méchante avec moi. Comment vais-je faire maintenant? Je ne peux pas aller dans le gymnase les pieds nus. Hé, ces ballons me donnent une idée. Viens par ici, petit ballon. Ok, qu'avons-nous d'autre? Tu ne vaux pas mieux que moi, Jen. Il est temps de régler mon problème de chaussures. Je vais juste le poser sur le sol et mettre le pied dessus. Maintenant que tout l'air est expulsé, il ne me reste qu'à cacher cette partie. Bien, passons à l'autre. C'est fait! On dirait que je porte des ballerines. C'est bon, maintenant je suis prête pour le cours de gym. Que porte Kate? Mais qu'est-ce qu'elle a mis sur ses pieds? On dirait des ballons. Ça, c'est la chose la plus drôle de l'année. Riez tant que vous voulez. Je m'en fiche. On est là pour faire du sport, pas un défilé de mode. Mets-la à genoux! Oh! Je ne peux pas croire que j'ai perdu. Je croyais être bien entraînée. J'ai travaillé si dur. Quelle journée pourrie. Attendez. Je sais ce qui pourrait l'égayer. Un goûter! Je vais manger du chocolat. Cette journée est nulle. Oh, c'est quoi ça? Nourriture et boissons interdites? Non, impossible. Je n'y crois pas. Il faut que je mange quelque chose. Bon, par où je commence? Oh, je devrais d'abord répondre au téléphone. Allô? Ça va? Ça va? Quoi? Bon, d'accord. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. À tout de suite. Bon, comment est-ce que je peux l'aider? Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Et ça pourrait marcher. Toi, le paquet de chips, tu viens avec moi.
Je vais te cacher juste là, sur mon ventre. On n'oublie pas les bonbons, bien sûr, juste là. Ok, ça devrait lui suffire comme goûter. Ensuite, la veste. Cela devrait être suffisant pour cacher les friandises. Je dois la fermer. Oh, regardez comme j'ai l'air baraquée. J'ai entendu dire que quelqu'un avait besoin d'aide. Waouh! C'est incroyable! Impressionnant, n'est-ce pas? Eh bien, regarde ça! Ce ne sont pas des muscles, mais bien les friandises et gourmandises dont tu as besoin. Cela te redonnera ta bonne humeur. Oui, je crois qu'un peu de sucre va m'aider. Génial! Bien, maintenant, je suis prête à prendre ma revanche. Ne bougez pas, j'arrive. Regardez-moi ces muscles. Je veux ma revanche. Tu es prête? Ouf, que c'est dur! Oui, j'ai gagné! Je t'ai battue! Je suis la meilleure! Quoi? Je ne peux pas croire que j'ai perdu! Oh, c'est le pire jour de ma vie! Claire! Sérieusement? Toi et tes vidéos? On a bientôt fini! Nick! Tu ne peux pas faire ça plus tard? Laisse-moi finir mon truc, d'accord? Ok, t'as quoi d'autre? Non, ça fait grand-mère. Tu te moques de moi? Laisse-moi te trouver quelque chose. Alors? Cette robe est plutôt mignonne. Ah oui? Tu demandes à TikTok maintenant? Oh oh! Par contre, ça c'est pas bon signe! Ah, j'ai besoin d'aide là! Tu m'étrangles! À l'aide! On va juste devoir improviser un peu. Après tout, c'est ça la mode, tenter de nouvelles choses. Je me trouve plutôt canon. Grâce à mon aide. Aujourd'hui, et toi? Salut, bienvenue dans notre salle de sport. Regardez ça. Vous aimez mes muscles? Je ne le dois qu'à ça. Oui, non merci. On en a déjà un pot. Ah bon, d'accord. Passez une bonne journée alors. Bien, et si on s'asseyait? Est-ce qu'il regarde par là? Non, il est occupé. Il ne regarde pas vers nous. Ouvrons ça. Oui, regarde tous ces bonbons. On est des génies. Je n'arrive pas à croire qu'on ait réussi à faire passer tout ça. Allez, c'est l'heure du goûter. Hein? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vite, remets le couvercle. Il est en train de regarder par là. Je suis sûre qu'elles ont caché des bonbons. Bien, il faut que je règle ça. J'ai un plan. Je vais me faufiler là-bas pendant qu'elles sont occupées. Il faut que j'échange ces deux pots. C'est bon, maintenant je dois battre en retraite. C'est l'heure de se régaler. Ouf, je commence à avoir sacrément faim. Mon estomac est en train de gargouiller. Oui, moi aussi. Bien, dans ce cas, retournons prendre un petit encas. Ok, le champ est libre. Il est en train de regarder ailleurs. J'ai hâte de voir leur tête. Venez, venez, petit bonbon. Venez me voir, mes délicieux petits chéris! Mais qu'est-ce que... Stop! Berk! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a partout! Qu'est-ce que... Comment est-ce possible? Waouh! Regardez comment je suis baraquée! C'est incroyable! Je suis super musclée et je n'ai même pas transpiré! C'est le plus beau jour de ma vie! Hello! C'est mon moment préféré de la journée. Je ne comprends pas pourquoi les autres détestent les devoirs. Celui-ci est difficile. Je ferais bien d'envoyer un peu de carburant à mon cerveau. La limonade est ma boisson préférée. Ah, voilà! Un peu de sucre ne me fera pas de mal. Mon Dieu! Que c'est bon! Maintenant, il me faut quelque chose d'acide. Viens par là! Ça fait du bien par où ça passe. Et autant aussi entamer ce paquet de Skittles. Ce qu'Olivia veut, Olivia l'obtient. Même si ça lui donne un bouton ou deux, ou cinq, peu importe, mes études passent avant tout. Tu ferais mieux de ralentir le rythme, Olivia. Oh, ça colle! Bon!
je ferais mieux de prendre rendez-vous avec mon dermato. Mais bon, c'est le prix à payer. Je ne tirerai jamais un trait sur mes grignotages. Qu'est-ce que j'y peux? J'adore manger. Mais pour les filles populaires comme Anna, le physique est primordial, même si ça implique de refuser les meilleurs encas. Hors de ma vue, sucre! Ce bout de laitue devrait me rassasier. Regarde combien de bouchées je peux faire. Ça a le même goût qu'un burger. Regarde, Olivia! Je me demande ce que ça fait de manger tout ce dont tu as envie. Oh mon Dieu! Concentre-toi sur cette délicieuse laitue. Au moins, je suis jolie. Et là, Télo, prends la tête! Regarde-moi cette barbe fournie. Ça, c'est un homme, un vrai. Salut! Il m'a remarqué! Un garçon si beau m'aime bien! Toutes ces heures à le dévorer du regard ont payé! Un mot pour moi? Trop mignon! Oh, tu me manques aussi! C'est pour Anna! Quoi? Fais-lui passer, s'il te plaît. Pour moi? Oh, c'est forcément pour moi. Oh, tu me manques aussi, chou d'amour. Écrire des mots est trop romantique. Ok, tu peux lui repasser maintenant. Tiens! Je t'aime, mon sucre d'orge. Donne-moi ça! C'est une place, d'accord? Donne-le-moi! Tu as volé mon bisou! Sérieusement, Olivia? Comment est-ce qu'on fait pour se voir maintenant? Mission accomplie! Je peux être romantique aussi, tu sais. Un point pour la fille populaire. J'espère que j'ai pris les bons crayons. Anna est vraiment jolie aujourd'hui. Wow! Olivia? Tu vas avoir un bleu. Est-ce que ça va? Laisse-moi t'aider. Pour de vrai? Merci! Tu es jolie aujourd'hui, Olivia. Je ne te le fais pas dire. Ton cahier? Qu'est-ce que c'est que ça? La Barbie avec laquelle on jouait? Je m'en souviens comme si c'était hier. Je vais jouer avec Barbie. Donne-moi ça! Non, je vais jouer avec elle. Et c'est à ce moment-là que tout est arrivé. Tu lui as arraché la tête! Et? Et notre amitié s'est arrêtée pile à ce moment-là. Tu étais tellement méchante! C'était un accident! Maintenant, rends-la moi! Non! Toi, tu me la rends! Et mesdames...